J'ai dit à mes enfants, mes bébés éléphants, regardez l'homme blanc, ça c'est un président. C'est celui qui sourit et qui tient un fusil. Il dirige un pays où y a pas d'éléphants. Qu'est-ce qu'ils ont donc là-bas? Ils ont pas d'éléphants, mais ils ont des moutons, des troupeaux de moutons, et puis un président. Qu'est-ce qu'ils font ces moutons? Ils ont jamais le temps. Et lui, qu'est-ce qu'il fait là? Il vient pour tuer le temps. Est-ce qu'il a des enfants, ce monsieur président? M'ont demandé mes enfants en langage éléphant. Oui, bien sûr, il en a. Et quand ils seront grands, ils iront à l'ENA. Ils seront présidents. Où est-ce que c'est l'ENA? Où est-ce que c'est l'ENA? Est-ce que c'est loin d'ici? Est-ce que c'est au Kenya? Mais non, c'est à Paris. Et Paris, où est-ce que c'est? C'est derrière la prairie. Bon, maintenant, ça suffit. Ils commencent à tirer. Ils ont eu le vieux Paul qui pouvait plus courir. Morissette et Fredo qui se grattaient le dos. Ils étaient sans défense, je dis pas ça pour rire. Ça aurait pu être pire, on a eu de la chance. Qu'est-ce qu'ils ont donc là-bas? Nous on vit bien au chaud, au fin fond de la brousse. On se pousse au bord de l'eau, et là on s'éclabousse. On fait partir les mouches qui sont dans nos oreilles. Après on prend des douches, à poil sous le soleil. On n'est pas bien sauvage, juste un peu corpulent. L'œil tout rond pas méchant, plutôt dans les nuages. On voyage à pas lent, c'est pour ça qu'on est sage. On vient du fond des âges, d'avant les présidents. Où est-ce que c'est l'ENA?